Les familles, ils sont en bas. Oui, mais bon, il m'a dit qu'il arriverait ailleurs. Non, pas pour moi. Vous connaissez quand même. Alors, il y a encore des chances de faire un script, mais ils ne sont pas là. Oui, pour moi, pas pour moi. Tu leur as bien dit 16 ans. Oui, oui, il m'a dit que...
Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue au pôle d'interprétation de la préhistoire. Je suis très heureux de vous accueillir pour une conférence un peu particulière, donc de Juan Marin Hernando, puisque cette conférence vous est proposée dans un double cadre, on va dire, quoi. En fait, à la fois tout le cycle de conférences qui a démarré au printemps dernier et qui va se poursuivre jusqu'au mois de mars prochain sur Néandertal pour accompagner donc l'exposition Néandertal que vous nous proposons dans l'établissement. Et puis, ça s'inscrit dans une collaboration avec la Société d'études et de recherche en préhistoire préhistorique des Ésis, en fait la SERP, qui depuis de très nombreuses années vient dans notre établissement. Des temps immémoriaux, on va dire, mais quand on parle de préhistoire, c'est normal, pour ses rencontres annuelles, en fait, et ça donne lieu à une semaine de temps de sensibilisation à la préhistoire, de cours, de séances d'introduction à la préhistoire, animées par le président de la SERP, donc Monsieur Monté, qui est juste ici devant moi. Et nouveauté de cette année, effectivement, voilà, on démarre le cycle de conférences qu'organise la SERP traditionnellement au Musée national de préhistoire, et ça aura lieu la semaine prochaine, on vous en parlera tout à l'heure, par donc une conférence ici au pôle. Voilà. Donc, très content de vous avoir parmi nous cet après-midi, et puis donc je vais laisser la parole pour présenter l'intervenant. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, chaque année, nous souhaitons accueillir un jeune chercheur parmi nos conférenciers. Et cette année, nous avons le plaisir de recevoir Juan Marin, un jeune chercheur espagnol spécialiste en archéozoologie. Alors, Juan est docteur en préhistoire. Sa carrière scientifique s'est concentrée sur l'étude du comportement des Néandertaliens à travers l'analyse des restes fauniques résultant de leur stratégie de subsistance. La taphonomie et l'archéozoologie ont été les disciplines centrales développées dans ses recherches. Et Juan Marin a été le lauréat du prix ASEMCA 2021. Je voudrais dire quelques mots de l'ASEMCA, dont deux personnes, c'est une association, et deux personnes nous ont fait le plaisir de venir cet après-midi. Alors, l'ASEMCA, c'est l'association Émilie Campmas, et c'est une association qui prend appui sur la volonté de perpétuer la mémoire d'Émilie Campas, une jeune femme de science victime d'un cancer. En soutenant des événements et des projets de recherche en lien avec son domaine d'expertise. L'archéologie, alors ces domaines de recherche, ce sont l'archéozoologie et l'adaptation au milieu côtier dans la préhistoire. Le conseil scientifique de l'ASEMCA décerne chaque année un prix à un jeune chercheur engagé sur des thématiques portées par l'association. Et Juan Marin a été le lauréat du prix 2021. Voilà. Voilà, on va laisser la parole à Juan Merci beaucoup. Marin, qui, juste pour vous dire que, donc, bien évidemment, comme à l'issue de chaque conférence, vous aurez le temps et le loisir d'échanger avec notre intervenant, notre conférencier, à l'issue de son intervention, et vous dire également que donc, cette conférence est retransmise en direct sur la chaîne YouTube. Donc, il y a des personnes qui peuvent nous suivre également en ligne, qui pourront elles-mêmes aussi participer au débat. Donc, à l'attention des personnes qui sont en ligne et qui m'entendent. Il vous est possible donc également de poser des questions à l'intervenant par le biais du chat. Voilà, donc il suffit de rédiger vos questions sur le chat et Julia, qui est parmi nous, se chargera de les répercuter en salle. Voilà, cette conférence, si vous souhaitez, et c'est valable pour toutes les conférences du pôle, vous pourrez la revisionner soit sur YouTube, soit sur le site internet du pôle d'interprétation de la préhistoire dans les prochains jours. Voilà, merci, bonne conférence. Merci beaucoup.
Je vous dire bonjour à tous et tout d'abord, je tiens à remercier à tous les membres de la Société d'études et recherches préhistoriques pour m'avoir invité à faire cette conférence et participer à la journée d'initiation à la préhistoire 2022. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir présenter la recherche que j'ai faite sur le comportement des sous-systèmes de les Néandertaliens. La recherche que je vais présenter aujourd'hui, c'est le produit de mon travail de thèse doctorant. En 2017, j'ai obtenu la bourse prédoctorale pour les doctorants en quaternaire et préhistoire pour réaliser ma thèse dans le Muséum d'histoire naturelle de Paris, avec un co-tutel avec l'Université de Ferrara, à l'Italie, sur la direction de Palmira Saladier, Antonio Rodriguez Hidalgo, Christophe Algar et Marc Tazzarello. Il y a plus avec un travail de tutelle avec Camille Dujer et Marie Moigne. J'ai aussi gagné, comment dire, avant, le Laurent de le prix Émilie Cammas 2021. Après un rapport de la crise sanitaire du Covid, j'ai soutenu ma thèse de doctorat le 29 juillet de 2020. C'est pas un test traditionnel, c'est un test fait des articles. Ce sont des articles scientifiques à journal spécialisé. Il consiste en 6 articles publiés dans les thèmes spécifiques des comportements néandertaliens. En plus de ma thèse, j'ai travaillé avec des différentes équipes de recherche qui m'a permis de travailler sur de nombreux sites à l'Europe et à l'Afrique aussi, des différentes chronologies. Cependant, actuellement, mes principaux efforts se concentrent sur l'étude des groupes néandertaliens à l'Europe. Et plus les groupes des humains de notre espèce à l'Afrique, qui sont les groupes de la Middle Stone Age, qui c'est la parole anglaise pour dire l'âge de la pierre moyenne, qui c'est un petit l'équivalence de la paléolithique moyen à l'Europe. Et les sites que j'ai étudiés pour ma thèse sont 3 sites, 2 sites français, un site espagnol. L'espagnol, c'est la Brique Roumanie, très proche de Barcelone, à la village de Capellades, la grotte de Bistrunal et l'abri du Magas, c'est l'abri sur Roche. Les sites archéologiques de la Brique Roumanie a été découvert en 1909 par Amado Romani. C'est un industriel de la village de Capellades. Et maintenant, les fouilles en cours ont commencé en 1983 sous la direction de Eudald Carbonell et maintenant sous la direction de Palmira Saladier et Gemma Chacón. Donc, cela implique 40 années de travaux continués, travaux archéologiques continués. En conséquence, le site a fait l'objet de nombreuses études multidisciplinaires dans un total de 15 niveaux archéologiques qui permettraient de faire une révision, une vision complète des modes de vie des Néandertaliens. Le site présente une stratigraphie complète du paléolithique moyen. Sur l'Edmont, il y a 2 niveaux à la part supérieure qui sont paléolithiques supérieurs, mais il y a 15 mètres de séquences de paléolithique moyen complet. C'est constitué de 20 mètres bien stratifiés. Il les dates de l'uranium et les radiocarbones situés les dépôts entre 120 et 40 000 années. Les structures de combustion sont également courantes dans tous les niveaux. Plus de 200 structures ont été fouillées, d'aspect circulé, comme ça, ou ovale. Ils sont distingués de les sédiments de travertin. Les travertins, c'est les sédiments blancs ici. Là, c'est les charbons et des faces rubéfiées. Ici, à cette image, il y a un
surface d'occupation avec beaucoup de restes de structures de combustion. Ils sont caractérisés par un changement de couleur et par la stratification des phases rubifiées, comme ça, et carboneuses, comme ça. Et les restes de voies végétales aussi récupérées sont des cavités vides ayant la forme et la moelle de négatif de la surface originale de la voie, comme ça. On a trouvé des négatifs en voie qui ont été travaillés pour la construction de ces structures, comme là, à le niveau O, N, et aussi des structures qui sont très petites ou des subtiles, comme ça. Sont aussi très communs à tous les niveaux de archéologiques de les sites. L'assemblée lithique est typique du paléolithique moyen. Les éclats simples sont prédominants, tandis que les noyaux et les éclats retouchés sont très, très rares. La matière première prédominante dans l'assemblage, c'est les silex, comparé à d'autres matériaux comme les quartz ou la calcaire. Le site de la verrerie du Maras s'est situé très proche de la localité de Saint-Martin d'Ardèche, à la région de l'Ardèche. L'abri sur Roche a été fouillé pour Gilles et pour Combier dans les années 1950 jusqu'à 1960. Le projet actuel a débuté en 2006 sous la direction de Marie-Hélène Moncel. Les études stratigraphiques ont permis d'identifier 5 niveaux archéologiques dans la séquence. La datation uranium de la couche 5, que c'est la couche que j'ai étudiée pour ma thèse, indiquait entre 70 et 90 années, 1000 années, à la fin de l'état isotopique marin 5. Le niveau 5 a été divisé sur 3 phases d'occupation différentes. L'assemblage lithique est abondant tout au long de la séquence. La production levallois est dominante, ainsi que la taille des éclats à partir de petites noyades de nodules. Les stratégies technologiques indiquent une fragmentation du processus dans un premier local et semi-local autour de l'abri. Les silex étant les matières premières prédominantes dans toute la séquence. La grotte de Bistournal, située dans le sud de la France, environ 20 km nord du Narbonne, a été découverte et fouillée pour Paul Tournal en 1827. Les dernières fouilles des horizons pléistocènes ont été menées entre 1970 et 1987. Par André Tabosso, dans une zone préservée d'environ 64 mètres carrés. Il a trouvé une séquence bien stratifiée de 11 niveaux identifiés dans 4 unités de la période moustérienne jusqu'à la magdalénienne, qui fournit des informations sur les transitions de le paléolithique moyen à le paléolithique supérieur à la région. L'utilisation lithique des unités 1 et 2 correspond à un moustérien denticulé avec des lamas levallois, mais non laminaires, avec pratiquement aucune variation technologique ou typologique. Dans l'unité 3, on a retrouvé une technologie aurignacienne, précoque avec des lamelles d'afour et un couche aurignacien typique dominé de l'éraclois terminaux. Pour mon étude, j'ai utilisé la soit archéologie ou archéosologie, c'est la même discipline, et la taphonomie, avec l'objectif de comprendre les comportements humains. Mais qu'est-ce que c'est la soit archéologie? Et la discipline qui traite de l'étude des restes animaux, des restes fossiles des animaux, dans les contextes archéologiques. Et la taphonomie est la science qui tente d'expliquer tous les événements qui sont affectés les restes
d'un organisme passé, depuis de sa mort et jusqu'à son découverte pour nous. Les restes de la faune provenant des sites archéologiques sont identifiés dans les centres d'études comme les musées ou l'IPES à Tarente. À l'idée de collections de références, comme ça, une collection avec des restes des animaux actuels qui nous permettent de reconnaître les restes fossiles. Il y a aussi des atlas d'anatomie avec différentes espèces qui ne sont pas communes ici à l'Europe, comme par exemple les lions. De cette façon, nous essayons d'abord de savoir si, de quel os c'est. Et pour exemple, nous avons un fragment de os, donc nous avons identifié quel os c'est. Après, nous avons identifié l'os et l'espèce. Les espèces actuelles servent de référence pour études de restes fossiles. Pour exemple, les cerfs et les rennes modernes sont utilisés pour déterminer les tâches de croisement et de développement des de dents, afin d'établir l'âge des de animaux. Avec, pour exemple, la séquence d'éruption des de dents de lait, nous pouvons calculer l'âge des de animaux. Et c'est aussi pareil pour les animaux fossiles. Pour l'étude des modifications anthropiques, nous avons pris en compte la marque des coupes, ici, et les cassures de l'os, les marques des dents humaines et les crémations. Pour l'interprétation de cette activité de boucherie, nous avons utilisé des sources ethno-archéologiques et des travaux expérimentaux. Nous utilisons l'ethno-archéologie et les travaux expérimentaux comme une discipline auxiliaire pour compléter l'explication des sites archéologiques, pour essayer de trouver de bonnes références relais pour expliquer les implications comportementales qui pourraient être déduites d'où les registres archéologiques. Suivant la proposition d'organisation de Steely Baker et Driver pour l'organisation de l'échasseur, les événements de chasse pourraient être classifiés comme individuels, coopératifs ou communaux, en fonction de l'organisation sociale de l'échasseur. En fonction du nombre des animaux tués à chaque événement de chasse, la prédation pourrait être simple, séquentielle ou massive. Pour cela, nous suivrons ce modèle pour tenter de mettre en lumière l'éventuelle organisation sociale et la technique de chasse développée pour les groupes néandertaliens. On considère que la chasse spécialisée est celle dans laquelle un groupe humain exploitait un seul type de proie parmi toutes celles disponibles dans l'environnement, en fonction de l'espèce, l'âge, le sexe ou en combination de ceci. Au contraire, la chasse non sélective sera basée sur des taxes de rencontre et une prédation de type généraliste. Les techniques dans lesquelles ce type de chasse pouvait être pratiqué pouvaient varier. Depuis de la chasse d'embuscade, de traque, de poissons ou la chasse pour pillage, entre autres. Ainsi, pour l'étude directe de la faune et la comparaison avec les travaux expérimentaux et ethno-archéologiques, nous cherchons à comprendre les comportements des groupes humains et certains aspects de leur organisation sociale à travers de leur stratégie de subsistance. Les visions des capacités des Néandertaliens ont évolué au cours du temps. Au début de la discipline, les Néandertaliens ont été considérés comme ayant les faibles capacités cognitives et comme des agnorars marginaux. Ils sont capables de manger de la viande que d'autres prédateurs de l'environnement ont laissé. Et progressivement, l'image de l'Néandertalien a évolué vers un chasseur et un carognard de petits ongulés. Mais la vision actuelle de l'Néandertalien les montre comme des chasseurs de succès et d'une grande quantité de proies différentes.
Différentes études ont démontré que les Néandertaliens étaient capables de chercher de nombreuses espèces différentes, sur la mégafauna comme les rhinomammouths, à les petits pois, comme les petits oiseaux ou les lapins. Ils ont développé des comportements qui étaient exclusivement liés à notre espèce, comme un régime alimentaire à large spectre, et c'est-à-dire tous les animaux de l'environnement, non seulement les grands ongulés, ou aussi, par exemple, la chasse communautaire. La chasse communautaire, normalement, c'est associé seulement avec les Homo sapiens. Maintenant, il y a beaucoup d'exemples qui démontrent que c'est plus ancien, c'est la technique plus ancienne. Cependant, la plupart des assemblages faunistiques des sites néandertaliens sont dominés par des ongulés de grande et moyenne taille. Ils ont été systématiquement réutilisés, prouvant une gestion des ressources territoriales développées. Le premier point est de connaître les stratégies de chasse des néandertaliens. L'objectif de cette étude est, à travers de l'étude des restes dentaires, de reconstruire les profils de mortalité et d'identifier les chasses de proies et les éventuelles stratégies de chasse développées pour les néandertaliens. Les dents présentes dans les différents sites ont été touillées afin d'étudier l'âge des animaux. Pour ce faire, l'éruption et la usure des dents de quatre espèces, principalement les cerfs, les rennes, les chevaux et les bisons, ont été prises en compte. Suite à notre analyse, nous avons trouvé deux stratégies de chasse principales. Sélectives pour les chevaux à la brique romanie et pour toutes les espèces de l'abri du maras, qu'il y a des rennes, des chevaux, des cerfs et des bisons aussi. Et un chasse non sélectif pour les cerfs dans l'abri romanie. L'accès immédiat et récurrent à la grande carcasse, plus de 300 kilos, comme les chevaux, les bisons, ont été interprétés comme les résultats d'une chasse coopérative. C'est précis qu'il y a beaucoup de chasseurs pour casser ces animaux. Les études de la micro-usure faites dans les dents des animaux indiquent un mort non synchronique. C'est-à-dire que les animaux ne sont cachés les mêmes jours, sont cachés à moments différents. Elle indiquait donc que des simples événements de prédation pouvaient être courants. Pour cela, les profils de mortalité dominés par les grands animaux adultes, soutenant la chasse coopérative et sélective comme organisation sociale des groupes de chasseurs. Ça veut dire que la sélection systématique des adultes indiquait un cercé spécifique de cet animal. Le profil de mortalité non sélectif de les cerfs indiquait une stratégie de chasse moins sélective pour être même liée à l'abondance de les animaux dans l'environnement et donc au taxe de rencontre des groupes de chasseurs avec les animaux. Cependant, normalement, de l'abondance de l'animal. Les cerfs, normalement, sont très communs dans les environnements. Donc, il y a plus de possibilités pour les néandertaliens de retrouver cet animal. Donc, il n'y a pas un cercé spécifique d'une espèce et un âge en ce cas. Ils marchaient pour l'environnement, ils trouvaient un cerf et ils le chassent, indépendamment de l'âge de l'animal. Pour cela, les profils de mortalité dominés par les grands animaux adultes, ces profils de mortalité semblent être les produits d'un traque non sélectif. Cependant, il ne pourrait être complètement exclu que ces profils aient été produits par une chasse non sélectif pour l'embuscade. Deuxièmement, nous étudions la stratégie de transport des carcasses des animaux. Le but de cette
l'analyse était de savoir comment les animaux étaient transportés des sites de chasse à les campements. S'ils ont été transportés l'animal entier, comme ça, ou si c'est un transport sélectif, seulement différentes parts de l'animal, l'animal s'est coupé et s'est transporté seulement en petite part. Et nous pouvons découvrir aussi de quel dépendant les transports, si c'est l'espèce, c'est d'autres questions. Lorsque nous étudions les assemblages des sites, nous identifions quel os est quel os afin de construire les profils de mortalité. Normalement, à les sites archéologiques, nous trouvons beaucoup de restes et nous avons de séparer tous les restes et d'identifier à quelle part de l'animal partenage. Pour exemple, les squelettes axiales postcraniales, qui sont normalement les côtes et les vertèbres, les crânes ou les extrémités. Avec ça, nous avons créé les profils anatomiques de les différentes espèces dans les sites et d'analyser l'intégrité de l'assemblage squelettique. Chaque élément anatomique, pour exemple la mandible, le fémur ou la tibia, est associé à une valeur nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des éléments avec une valeur nutritionnelle de la viande ou de la nourriture qui apportent à les néandertaliens plus de la nourriture ou moins. Mettre en relation la représentation anatomique de ces éléments de les jaciments avec les valeurs nutritionnelles permet de savoir quelle stratégie de transport a développé. Si c'est une stratégie de transport sélectif, comme la groumette, ici, que c'est le transport des plus riches éléments, une stratégie de transport inverse, ou le transport de l'animal complet. Les résultats de la bricromanie indiquent qu'ils sont la conséquence d'un développement de ces stratégies très, très variables. Le transport éventuel des grands animaux complet, comme le cheval, implique une coopération et pourra impliquer le plus de 12 transporteurs. Donc, pour transporter un animal complet de la taille d'un cheval, c'est précis de 12 néandertaliens. L'assemblage est le résultat d'une stratégie de transport caractérisée par les variables d'éléments transportés à chaque fois. Au sein de l'abri du Maras, on a observé une tendance à transporter sur les sites les éléments les plus riches en valeur nutritionnelle. L'abondance de têtes de chevaux et de rennes pourrait être liée à la distance de transport court. Le transport de têtes aussi pourrait éventuellement représenter le transport coopératif de la carcasse animaux. Parce que la tête, c'est un élément avec pas beaucoup de valeurs nutritionnelles. Donc, la présence de cet élément dans les sites indiquait la capacité de transporter les animaux complets ou distance de transport court. Comme cela a été démontré pour des autres sites archéologiques comme à la bricromanie. L'objectif de l'étude était de décrire les types d'occupation des sites archéologiques. Qu'est-ce que les Néandertaliens ont fait dans les trois sites, à Bistournal, à l'abri du Maras et à l'abri Cromani. C'est-à-dire mettre en relation l'étude de la sélection de les proies et de la chasse, les transports et les traitements de la carcasse animaux et la saisonnalité de l'occupation, les modes d'occupation. L'analyse des modifications des surfaces de l'os des chevaux dans la grotte de Bistournal montre que les assemblages ont été principalement modifiés par les carnivores. Des marques de dents ont été identifiées sur tous les éléments de l'esquelette, mais spécialement sur les os longs de les extrémités, comme le radius, le tibia, fémur ou humérus. Ce n'est que sur deux
os à la grotte de Bistournal qui a des traces de boucherie et de, donc des modifications anthropiques et aussi des traces de carnivores sur les mêmes restes. Le faible pourcentage de restes avec concurrence des modifications anthropiques et des carnivores a été interprété comme un signal de grande indépendance entre les deux groupes de prédateurs. Il y a un faible niveau de compétition. L'accumulation de cheval dans la grotte de Bistournal a été caractérisée par une occupation néandertaliale sporadique. Cela indiquerait que les restes de chevaux ont été introduits et modifiés dans la grotte, principalement pour les carnivores. Les types, la distribution et la caractéristique des modifications, ainsi que l'analyse de l'étaphotype, indiquent que les grands carnivores ont été participés à la formation de cet assemblage, probablement la hyène. Par contre, l'analyse des surfaces corticales de la reste de la brique romanie et de la brique d'Humaras nous permet d'identifier que l'accumulation s'est produite de l'activité de la néandertalienne. Nous avons identifié à travers de la distribution de la marque de coupe tous les procès de décapage associés à l'exploitation incomplète carcasse animaux, y compris les dépouillements, les viscérations, les carnages et la désarticulation. La consommation de moelle aussi a été vérifiée intensivement en raison de l'identification des brides de l'os. Et aussi, nous avons trouvé beaucoup de crémations à les deux sites. C'est indiqué que les ressources animaux ont été pleinement exploitées pour les néandertaliens. Il y a une autre caractéristique que nous avons pas trouvé modification des carnivores. Les données saisonnières pour les abris d'Humaras indiquaient une occupation spécifique durant l'été, qui indiquait un habitat de long terme du site durant une saison complète. Les données saisonnières de l'abri de Romanie indiquaient une double occupation pendant de l'automne et de l'été, ce qui indique un habitat court sur les sites, que c'est moins d'un saison. Nous avons identifié que les néandertaliens étant les principaux agents impliqués dans la formation de la séquence de la brique romanie et de la brique d'Humaras. Dans la brique romanie, nous avons pu identifier des occupations spécialisées, comme un camp de chasse et un camp résidentiel temporaire, et à la brique d'Humaras, est lié à l'utilisation du site comme campement résidentiel d'événements de longue durée. Les assemblages sont dominés par la présence des éléments hautes survivres et par la rarité des éléments faibles survivres, en particulier les squelettes axial proscrânien, qui sont les vertèbres et les côtes. Il existe une tendance à transporter les éléments de grand valeur. On a identifié une grande diversité de ces stratégies de transport, spécialement dans la brique romanie. Les principaux facteurs qui pouvaient effectuer le transport des carcasses des animaux étant la distance de transport, la taille de l'animal et la taille du groupe de chasseurs, c'est-à-dire les groupes de personnes de Néandertal. Cependant, la coopération entre Néandertaliens est incapable de résoudre ces facteurs. C'est-à-dire, s'il y a suffisamment de néandertaliens dans les groupes pour transporter un grand animal, la taille de l'animal, ce n'est pas un problème. Ou la distance de transport de le site de chasse à l'accampement, ce n'est pas important. En ce qui concerne la sélection des proies, nous avons vu que les néandertaliens se concentraient sur les ungulés d'état moyen et grand. Ils ont développé des méthodes de chasse sélectives. Les principaux facteurs que nous avons identifiés sont la saison de l'année, les taxons, l'espèce, et l'âge de l'animal. En conclusion, nous avons trouvé trois différents types d'occupations dans les trois sites. Pour les bistournales, nous avons trouvé occupations très, très éphémères et expéditives. Donc, on passait probablement un jour,
pas beaucoup et en marché. Les sites de la Birmanie sont occupations très courtes, mais sont occupations spécialisées. Sont courtes et spécialisées. Et dans l'abri du Maras, sont occupations de longue durée, durant un 60. Nous parlons de longue durée parce que les Néandertaliens sont groupes avec une grande mobilité. Parce que passer un part de l'année dans un territoire et quand les ressources des territoires de les sites sont complètement finalisées, ils marchent à un autre site pour exploiter dans un mouvement annuel sur le territoire. Nous pouvons analyser ça. Pour exemple, à la Bricromanie, il y a beaucoup de niveaux archéologiques. Ça indique qu'il y a une utilisation répétée des sites, donc qui indiquait une prédiction de la disponibilité de leurs ressources. Ils utilisaient systématiquement les mêmes places parce qu'ils connaissent qu'il y a des ressources, c'est de l'eau, des animaux, quelque chose, pour la subsistance. La coopération sur la chasse et le transport de les espèces s'est démontrée pour la chasse des animaux de grande taille et le transport sur les campements. Et finalement, ça impliquait une gestion territoriale complexe avec des comportements très spécialisés. Je tiens à remercier à toutes les institutions qui m'ont soutenu pendant mes recherches de doctorat et merci beaucoup pour votre attention. Alors, la parole est à vous. Vous avez la possibilité de réagir ou d'interroger notre Anne Marine si vous le souhaitez. Alors, la première prise de parole est toujours la plus compliquée. Attendez, je vais vous laisser le micro. Cela sortit un peu de l'ordinaire. On n'a pas l'habitude de voir l'archéologie de cette façon. Voilà, c'est pour ça qu'on hésite à poser des questions. Alors moi, j'en ai une qui m'a interrogée. Vous avez pu constater qu'il y avait une résidence plus longue. Est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait un régime alimentaire qui était différent en retrouvant éventuellement, puisque la ressource, selon les saisons, j'imagine, était différente, puisque les animaux, eux, migraient. Et donc, est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait des régimes alimentaires qui différaient parce que, justement, on était dans un lieu de résidence plus permanent que dans un lieu de résidence de chasse ou ponctuel, où là, pour le coup, on peut supposer que les Néandertaliens étaient là pour chasser tel type d'espèce ou parce qu'ils avaient suivi tel ou tel animal. Eh bien, je voudrais retourner à la image. Je pense que c'est... on était ici. Bien. À l'abri du Maras, que c'est on a été identifié cette occupation de longue durée. C'est en fait à plus de les analyses des dents qui nous permettent d'identifier qu'ils sont morts principalement dans l'été. Analyse de la micro et la macro usure. Les analyses sont effectuées non pour moi, sinon pour un autre spécialiste, Florent Rivals. Et la micro usure dentaire nous permet à nous de connaître deux choses. La dernière alimentation de l'animal. Et si les différents animaux ont mangé les mêmes choses à le moment de la mort. Donc, à plus, en fait, analyse parce qu'à l'abri du Maras, ici, j'ai fait de l'analyse sur les monde des rennes et des chevaux parce que des restes dentaires, des cerfs et des bisons ne sont pas,
sont pas beaucoup, sont seulement un reste, un individu, donc c'est pas intéressé pour faire un analyse complet. Il y a beaucoup des individus, des rennes et des chevaux. Les rennes, c'est migratoire, mais les analyses isotopiques ont démontré que les rennes de la brique du Maras, en ce moment, c'est pas beaucoup mobile. C'est un renne qui n'est pas le même que les Maxime Glaciar qui a transport, qui marche beaucoup de kilomètres. C'est un renne qui fait des petites migrations dans un petit territoire. Donc, quand nous trouvons les mêmes résultats pour différentes espèces avec un seul 60 de l'année, en ce cas l'été, nous pouvons dire que l'occupation, c'est de longue durée, parce qu'il y a diversité de poids, il y a moments différents pour les morts des animaux, mais sont concentrés dans les mêmes moments de l'année. Au contraire de la brique romanie que nous avons trouvé, que les cerfs et les chevaux sont chassés en différents moments de l'année. Là, pour comme les Néandertaliens sont un groupe mobile, c'est possible que, par exemple, ici, c'est très clair que les cerfs, c'est un animal très abondant dans l'environnement normal, à tout moment. C'est un animal qui, avec mouvement annuel très court. C'est un animal qui habite en région toute l'année. Par contre, les chevaux, c'est un peu pareil que les rennes. Il y a des mouvements, il y a des agrupations de les jeunes masculins, les féminins avec seulement un grand masculin. Donc il y a une organisation différente. Il y a des mouvements territoriaux spécialisés dans les chevaux. Donc la sélection systématique à un moment de l'année, en ce cas l'été, indiquait deux moments d'occupation différents et très courts. Et est-ce que vous savez si sur ces sites-là, on a retrouvé du matériel archéologique qui laissait penser que finalement, les Néandertaliens, comme on est à proximité de rivières, complétaient l'origine Under par de la pêche ou par la chasse de petits animaux quand sur des périodes où ils n'avaient pas la disponibilité du cheval, par exemple, ou celle du cerf. Bon, vous disiez que c'était toute l'année, mais voilà. Est-ce qu'on savait que si ça se complétait aussi par d'autres... Ou est-ce que finalement, on n'a pas suffisamment d'indications pour pouvoir penser à une vie un peu plus... Une période un peu plus sédentaire, en quelque sorte. Parce que c'est vrai qu'on présente Néandertal beaucoup comme étant mobile, effectivement nomade. Et votre étude laisse penser que finalement, il faut relativiser cela. Les abriques romani, il n'y a rien pour le moment de chasse de petites espèces. Il n'y a pas de reste de poissons ou de ressources de la rivière. Pas la couche 5, que c'est la couche que j'ai étudiée à l'abri du Maras, mais à la couche 4-1, il y a un fémur de lapin avec des traces de boucherie. Mais il y a seulement un. Donc nous avons 1000 restes de rennes, 1000 restes de chevaux, beaucoup de restes de bison, et seulement un fémur de lapin. Donc c'est une ressource qui s'est exploitée, mais ce n'est pas commun. Donc, par exemple, à la paléolithique supérieure, avec les Homo sapiens, l'exploitation des petites proies s'est généralisée sur tous les territoires. C'est à l'Espagne, à la France, c'est un comportement généralisé. Il y a beaucoup d'exemples de Néandertaliens qui ont mangé des petites proies, mais ce n'est pas pareil à les pourcentages de la paléolithique supérieure. Donc, c'est la possibilité d'exploiter, mais la subsistance et la dépendance de la chasse des grands et moyens ongulés, c'est énorme pour la subsistance de l'énergie italienne. Et surtout, sont un grand carnivore. Oui. Oui, bonjour et merci. Alors, c'était très dense, hein, passionnant, mais très dense, ce qui explique que le temps qu'on digère, on est un peu long sur les questions. Je voudrais revenir, il y a un des abris dont vous nous avez dit que l'occupation était répétée mais éphémère. Je ne me trompe pas ? Répétée mais éphémère. Ils y venaient, par exemple, chaque été. Oui. Vous pouvez me rappeler le nom, s'il vous plaît ? Je pense que c'est l'abri Romani. Abri Romani, c'est ce qui me semblait. Voilà. Oui. Alors, ma question est la suivante. S'ils y venaient, par exemple, je crois que c'était à la saison de l'été, est-ce que vous avez réussi à relier cet abri
à d'autres abris de la région qui pourraient déterminer un parcours de vie sur l'année, par exemple, puisque s'ils revenaient à chaque fois, on peut penser qu'ils faisaient la même chose dans les autres abris, ceux de l'automne, ceux de l'hiver, etc. Et est-ce qu'on avait réussi à retracer finalement les lieux d'existence d'une sorte de groupe, de tribu, je ne sais pas comment il faudrait les qualifier. Voilà. Avec les restes faunistes, c'est très difficile de faire une relation avec les différents sites parce que finalement, la chronologie sont des palimpsestes qui sont les résultats de l'accumulation de beaucoup des occupations différentes. Mais avec la lithique et les matières primaires, c'est possible de relationner les mouvements pour retrouver un bon matériel pour faire la taille. À la Bicromanie, il y a deux types principalement des éléments, qui sont les éléments expéditifs, qui sont les très communs, parce que c'est un campement. Donc, il y a une part de l'assemblage lithique que c'est pour faire des petits éclats, pour couper. Mais il y a aussi ce que l'anglais connaît comme les toolkits, qui sont les éléments qui sont retouchés ou sont bien préparés, qui sont les éléments avec lesquels les Néandertaliens voyagent. L'outil pour faire tout. Et l'origine de cet outil nous permettre à nous de connecter des différents areas. Maintenant, nous sommes à la recherche de nouveaux sites. Nous sommes aussi en collaboration des autres équipes parce que ici il y a une autre question, que c'est qu'il y a beaucoup de sites archéologiques, mais nous ne sommes pas les mêmes équipes. Donc la communication, il y a des occasions que c'est facile, il y a d'autres occasions que c'est difficile. Nous sommes actuellement à la fouille d'un autre site que c'est dans la région, c'est à l'autre vallée, c'est à Montserrat, c'est très proche de Barcelone, c'est en montagne, et avec une occupation des paléolithiques moyens. Maintenant, nous n'avons pas de résultat, mais nous pensons que c'est pour la lithique que sont les mêmes groupes. Donc c'est intéressant de connaître la forme qu'il y a celui-là et faire la comparaison avec la Bricromanie. Oui, parce que la question de fond, finalement, c'est de savoir de quel type de nomadisme on parlerait. C'est-à-dire que si vous avez, je vais prendre une image qui est un peu bête d'aujourd'hui, mais si vous passez 6 mois en Normandie à faire du télétravail et 6 mois à Paris, est-ce qu'on peut vraiment vous qualifier de nomade? C'est-à-dire que si ces Néandertaliens passaient, y compris des fois avec armes et bagages, dans un gisement, disons, d'été, qu'ils en avaient un autre qui durait 3 ou 4 mois, s'ils se partagent sur 2-3 sites, on pourrait peut-être s'interroger sur... Ça serait ni complètement du nomadisme, ni du résidentiel à l'année, mais simplement des parcours complètement établis. Je fais allusion à ça parce que je pense un petit peu en référence aux abris castanés qui sont chez nous, très près d'ici à Serjac. Et bon, je travaille actuellement sur les fouilles de l'abri castané au niveau historique pour ma part, hein, pas au niveau préhistorique. Okay. Mais c'est vrai que quand on trouve des pierres à usage de pense-t-on pour retenir les peaux, etc., on est amené à se dire, bon, ils vivaient ici une grande partie de l'année, mais est-ce qu'ils y vivaient toute l'année? Mais quand vous prenez la peine de développer des camps aussi bien, c'est pas pour les occuper un mois par an, etc., etc., c'est pas des pierres qui se déplacent facilement. On peut en voir quelques-unes au musée à côté. Et donc voilà, ça m'interroge sur le type de vie qu'ils avaient. On nous les présente toujours comme nomades. Mm-hmm. Quand on voit certains campements, on ne se dit pas forcément. Enfin, en tout cas, pas ce qu'on appellerait le nomadisme, comme on a l'idée dans les déserts où ils sont avec leurs chameaux toute l'année, quoi. Voilà. Merci. Dans les niveaux P, que c'est le niveau de la bricromanie que j'ai présenté ici, nous avons fait la corrélation avec l'établissement qu'a fait BIMFO pour les mouvements des chasseurs et récolteurs, qui sont logistiques ou résidentiels. Et nous avons trouvé que les deux types d'occupations spécifiques, comme nous avons trouvé, c'est caractéristique des groupes logistiques. Les logistiques sont caractérisées par une mobilité en laquelle un groupe se mouve sur le territoire, occupé en place, et des petits groupes de les mêmes sont séparés pour trouver les ressources et de transporter les ressources sur les grandes familles.
Et résidentiel, pour, en contraire, move toute la famille, toutes les différentes ressources. Là, c'est dire que, mais, que c'est possible qu'à la Bric-Romanie, il y a des, parce qu'il y a des différents niveaux. Il y a des niveaux qui sont avec pas beaucoup de restes, mais sont très intéressants parce que la surface d'occupation, c'est très grand. C'est tout. La fouillée sont 200 mètres carrés. Donc, la distribution spatiale sur la place, c'est très bien conservée. Ce sont pas beaucoup de restes. C'est un palincé très court. Donc, ils nous permettent à nous d'identifier différentes occupations. Différentes occupations. Donc, là, c'est important. Il y a des autres niveaux qui sont résultats d'une accumulation meilleure. C'est un palincèse meilleur. La résolution chronologique de la Bric-Romanie, c'est très grande parce que ici, c'est la stratigraphie complète de le site. Tout là, ça a été fouillé. Il y a un mètre. Normalement, l'accumulation de la Bric-Romanie, c'est séquentiel. C'est un mètre de sédiments stériles, 10 cm de matériaux archéologiques, un mètre de. Il y a une séquence de 1000 années d'accumulation. Donc, la durée normale d'un soulèvement à un niveau à la Bric-Romanie d'occupation, c'est l'équivalent à tout l'impère romain des 2000 années. Donc, nous avons un petit niveau avec une résolution très importante, mais nous, quand nous parlons de la mobilité, c'est difficile. Nous avons une approximation. C'est difficile de dire exactement c'est ça, c'est ça. C'est plus une approximation parce que finalement, c'est le résultat de beaucoup des années d'occupation de différentes générations. Normalement, ce sont 3-4 générations qui ont fait les mêmes dans un niveau. Est-ce que vous avez trouvé des... Parlez bien dans le micro parce que les gens qui sont en ligne ne vous entendent pas sinon. Vous avez trouvé des traces de correspondance ou de concurrence entre des groupes nomades néandertaliens et des groupes nomades sapiens? Non, tous les niveaux que nous avons travaillés ici sont paléolithiques moyens. Il n'y a pas de. Ne sont pas récentes. Les deux, les plus récents niveaux sont 75 000 années. Donc, non. À Tournal, il y a aussi des niveaux aurignaciens, mais il y a une couche stérile entre les niveaux moustériens et les aurignaciens. Donc, Oui, Néandertal est renommé pour sa consommation carnée, pour sa nourriture. Est-ce que vous avez pu constater que dans les abris que vous avez cités, il y avait uniquement de la consommation de viande, mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre chose, comme un petit complément avec d'autres éléments pour la consommation de Néandertal? C'est en fait, à la Bric-Romanie, c'est en fait des analyses du pollen, des plantes pour... chercher s'il y a des autres, s'il y a des... parce que le problème avec ça, c'est que les dents et les os sont très bien conservés dans les sites archéologiques, donc les ressources végétales, c'est plus difficile. Pour le moment, il n'y a pas de restes humains dans les sites de la Bric-Romanie, par exemple, donc nous n'a pas la possibilité de faire une analyse isotopique directement dans les restes néandertaliens, que maintenant c'est la plus efficiente technique pour identifier d'autres alimentations, s'il y a un component plus important de végétal ou non. Mais pour le moment, nous n'avons pas d'information en ces manières. Il y a des sites avec... Reste néandertalien, on a fait des autres équipes, on a fait l'analyse isotopique dans les restes et on a trouvé que la consommation des végétales ou des champignons sauvages sont importants aussi, sont part complémentaire de l'alimentation de cette groupe. Donc oui, nous n'avons pas l'information à la brique,
ou à l'abri d'Oumanas ou à l'abri de Romani. Mais c'est la possibilité, c'est énorme, de qu'il y a une alimentation de la viande, mais il y a un complément végétal important dans ces groupes. Une autre intervention, une autre question? Est-ce que, compte tenu de l'étendue du spectre chronologique qu'il y a notamment sur la bricoromanie, même si je comprends bien que ce n'est pas forcément facile d'exploiter de manière assez précise chaque période, compte tenu quand même de l'étendue entre 120 000 ans et 40 000 ans, il y a quand même eu une grosse évolution, une évolution importante, y compris du Néandertal dans ses différentes techniques. Oui. Et est-ce que vous avez pu déceler néanmoins entre les différentes couches quelque chose qui était de nature à montrer que les techniques de chasse avaient elles-mêmes évolué et que donc du coup les comportements de vie étaient aussi différents entre, peut-être pas sur chaque, mais au moins sur l'étendue de la période? Oui, et nous avons trouvé à les différents niveaux différents types d'occupations. Il y a des moments d'agrégation d'un groupe, pour simple, avec les toutes, pour exemple, ici. Il y a, c'est la couche Q. On a été en occupation des moments d'agrégation énormes de les groupes de Néandertaliens. À la même fois, à les niveaux 1, nous avons trouvé soulèvement une petite occupation. C'est une occupation très courte, parce qu'ici, il y a la nature de les structures de combustion nous permettrait de compter possiblement le nombre de Néandertaliens qu'il y a dans les sites. Ici, il y a une structure de combustion centrale. Et là, sont des structures de combustion pour dormir. Sont sous l'aide non pour la lumière. Nous avons fait des analyses stratigraphiques de les sédiments dans les structures de combustion. Il a c'est une structure pour faire un feu très fort pour le chaud, pour cuisiner ou ça. Il a son soulèvement avec des petits carbones pour faire un petit lumière. Et la distance entre les différentes structures de combustion, c'est la même. C'est 1,20 m. En comparaison avec les groupes nomades de l'Australie, qui font les mêmes choses, on pouvait calculer qu'il y a la possibilité d'entre 10 et 12 Néandertaliens dans l'occupation de le niveau 1. Là, c'est un fragment de voies végétales que nous avons interprété comme ça. C'est pour faire une petite protection pour les vents. Donc, la sédimentation très rapide du travertin dans la brique romanie permettrait de préserver différents types d'occupations et des activités très spécialisées que dans des autres sites archéologiques, c'est plus difficile d'interpréter. Parce que l'accumulation se produit d'un palimpseste très long. C'est-à-dire qu'il y a passé beaucoup de temps dans l'accumulation. Il y a milliers d'années pour former les niveaux archéologiques. Et pour ça, pour exemple, pour former les 7 niveaux archéologiques, sous le monde sont en génération, 2 générations de personnes. Il a été question essentiellement de restes de rennes, de cheval. Il y a eu un fémur de lapin. Quels sont les autres restes de faunique, notamment de la grosse faune, qui ont pu être trouvés, bovidés ou autres? Dans les abris d'Oumanas, nous avons trouvé principalement rennes, chevaux, après cerfs et bisons. Et il y a la dame, que c'est dama, c'est un petit cervidé. Il y a les sangliers, mais sont seulement 3-2 restes dans la couche. Nous avons trouvé aussi un reste de loup,
sont de les métacarpiens, sont les fragments de la main de les loups. Mais en proportion, sont pas les plus importants. Mais c'est important parce que la comparaison de la liste faunistique à la verrée du Maras nous a permis à nous d'identifier un changement à l'environnement de les sites. À la couche 4.1 et 4.2, les rennes sont dominants. Et c'est plus typique d'un climat froid ou très froid. Et pour contrer la présence des sangliers et une meilleure proportion de cerfs dans la couche indiquée un ambiant plus foresté, avec plus d'humidité, avec beaucoup de forêts dans la région. Donc, il y a une adaptation à la chasse des différentes espèces dans deux différents environnements. Et à la brique romanie, il y a des restes de cerfs et de chevaux, principalement. Et aussi, il y a des urocs, les bos primigenius, c'est les grands bovidés. À la Méditerranée, à l'Espagne, il y a la Méditerranée, il n'y a pas de bison. C'est les grands bovidés, c'est les urocs. Il y a des restes aussi, mais sont très partiels. Ce sont des restes de rhinocéros, Stephanorhinos et Mitoecus. Et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de diversité. La brique du Maras, c'est un site avec plus de diversité taxonomique que la brique romanie. La brique de Romanie, c'est dominé pour deux espèces avec différents niveaux. Il y a, par exemple, à les niveaux Giotta, il y a les chamois aussi. Mais soudainement, un petit fragment, ben, ce n'est pas beaucoup. Ils sont spécialisés dans la chasse de deux espèces principalement. Alors, votre conférence a été intitulée donc la subsistance des néandertaliens dans le bassin méditerranéen. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une spécificité méditerranéenne par rapport à d'autres zones d'occupation de Néandertal? Bon, je pense qu'il y a une claire différence parce que les néandertaliens, pour les que je connais dans la discipline, c'est très spécialisé dans l'environnement qu'ils occupent. Sont spécialisés dans ils chassent les animaux qui sont à l'environnement, mais ils les chassent de manière spécialisée. Et pour exemple, les types d'exploitation à l'Europe atlantique, à l'Espagne, par exemple, à la Cantabrie, c'est très différent des types d'occupation et d'exploitation des animaux qu'il y a à la Méditerranée. C'est non seulement avec la faune, sino avec la lithique aussi. Il y a des autres sites que la Méditerranée, je pense que c'est très, très caractéristique qu'il y a des petites bourses qui sont appelées écotones, qui sont des sites où on y a des différents environnements. Il y a l'environnement de la rivière, de la montagne ou environnement ouvert pour les animaux. Donc, cette place sont très intéressantes parce que les groupes humains, il y a la possibilité de faire une exploitation de différents animaux dispersés dans un environnement qui sont très divers, mais en distance, sont très proches. Donc, l'abri romanais est situé en écotone et l'abri du Maras aussi. L'abri du Maras est situé dans les plateaux de l'Ardèche, la rivière de l'Ardèche, et les vallées de l'Hérone. Donc, il y a trois types d'environnements différents qui sont possibilités d'exploiter. À la brique de Romanie, c'est le même. À l'Europe continentale, ces diversités des environnements, c'est un peu difficile de trouver. Surtout à la bassine de Paris, il y a une distance énorme pour trouver les accidents orographique qui permettent la diversité des environnements. Donc oui, je pense qu'il y a une spécialisation dans chaque région à l'exploitation des différentes espèces.
Bonjour. Si j'ai bien compris, vous avez dit que dans différentes régions, il y avait des manières de chasser qui étaient différentes. C'est ça? Il y a une spécialisation différente pour l'espèce. Par exemple, à la région d'Arménie, qu'il y a des Néandertaliens, sont spécialisés dans la chasse de l'échemois. Et les groupes néandertaliens, il y a des identifiants en région qui sont avec occupation d'autour à l'été, occupation inférieure, parce qu'ils sont dans les mouvements annuels des animaux. À l'hiver, ils sont à la fond de la vallée, à l'été, ils sont à la part supérieure. Ils sont spécialisés dans les mouvements stationnels des animaux. Par exemple, à l'Israël et toutes les Orient, ils sont spécialisés dans la chasse des gazelles, d'un type de gazelle. Ici, sont spécialisés dans chasse animaux qu'il y a dans l'environnement. Mais la spécialisation, c'est la forme en que ils les chassent. Par exemple, à la Bricromanie, la diversité de la faune méditerranée, à la part méditerranée, c'est pas beaucoup. Il y a cerfs, il y a bovidés, il y a des chevaux. Mais la spécialisation, c'est, par exemple, quel animal tu as sélectionné, si c'est un adulte, si c'est un jeune, la saison de l'année, et quelle part de l'animal s'est transporté dans les sites. Donc, sont adaptés à l'exploitation des ressources et de l'exploitation des animaux, de l'environnement, mais la spécialisation, c'est particulier pour chasse animaux ou chasse occupation. Yeah. Donc, on ne sait que ce que ces groupes chassaient. On ne sait pas comment on chassait ces animaux. Quelles étaient les techniques de chasse? Pour exemple, il y a des sites à l'abri du Maras, à le niveau 4 ans, je pense que c'est 90% de les restes sont sur les montagnes. Sur les montagnes, c'est monospécifique. L'étude qui s'est faite de ce niveau indiquait que les Néandertaliens sont spécialisés en la chasse des groupes migrateurs des rennes. Et la chasse se produit de manière massive. Donc les Néandertaliens chassent un groupe complet de rennes, toutes les haches. Ils chassaient les adultes, les petites, toutes. Ils chassaient normalement 20, et les roues complets. Par contre, à les couches 5, nous avons trouvé pas rien de ce type de comportement. L'analyse de la micro-ossure indiquait que les animaux ont mort en différents moments. Nous savons si c'est un jour avant, après, en semaine, mais c'est pas un mort catastrophique à le même moment. Donc, il nous indique un type d'exploitation différent, spécialisé, particulier. Il a trouvé un animal, l'a chassé et l'a transporté. L'autre implique une prédéméditation des mouvements migratoires de la reine, retrouver, chasser beaucoup d'animaux et exploiter cet animal. Donc, par exemple, pour la chasse d'un seul animal avec un, deux, trois chasseurs, c'est suffit. Pour chasser un groupe complet de rennes, pour exemple, c'est probablement, c'est précise les activités de toutes les groupes néandertaliens. Nous avons fait cette approximation avec la comparaison des mêmes comportements avec l'ethnologie, avec l'ethnologie des groupes, par exemple, de Amérique du Nord, ou des autres sites qui sont du Paléolithique supérieur, ici à l'Europe. Et les mêmes types de modifications à l'os, les mêmes types de haches de les animaux cachés sont trouvés dans les sites de l'Amérique du Nord et les sites européens. Donc nous pouvons faire cette approximation et de trouver à les mêmes sites, par exemple à l'abri du Maras, deux stratégies de chasse complètement différentes, adaptées à
Bon, comme on dit avant, il y a la couche 4-1, c'est un environnement plus froid. La couche 5, c'est un environnement plus humide, plus chaud, avec des forêts, avec un environnement fragmenté. C'est différent. Donc, les Néandertaliens ont changé son comportement à chaque fois. Merci. C'est toujours la complexité quand on aborde Néandertal, c'est qu'on aborde des périodes très longues et que donc forcément les environnements changent, les climats changent. Et donc du coup, il faut arriver à chaque fois à respécifier, effectivement, parce qu'on est sur des périodes extrêmement longues d'occupation humaine. Quoi, en fait. Une autre intervention ? Il y aura pas, personne ne sera frustré en disant oh, j'aurais dû poser cette question-là, ou alors vous attendez que la conférence soit terminée pour vite aller voir notre intervenant. Bien, je vous peut-être repasse la parole, peut-être pour annoncer la suite du programme de la SERP, puisque c'est à vous donc. D'accord. J'ai juste une petite dans la marche ou pas ? J'ai juste une petite communication à vous faire. Les membres de la SERP qui étaient présents à ma conférence de l'année dernière sur Germaine Prudhommeau se souviennent ou ne se souviennent pas que j'avais mis en perspective la possibilité de reconstruire les films de Germaine Prudhommeau, qui était une historienne de la danse, chercheuse au CNRS, qui s'était intéressée à la préhistoire. Et donc j'avais mis en perspective la possibilité de reconstruire les films ou de les retrouver. Alors, ma communication, c'est j'ai retrouvé les films de 35 mm qui ont un peu plus de 70 ans, qui sont en bon état et que je vais aller visionner à Toulouse au mois de septembre pour les authentifier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La prochaine étape sera une étape certainement de numérisation et de possibilité de diffuser dans un cadre de conférence sur le cinéma, d'animation, la préhistoire, etc. Voilà. Bravo. Alors, notre cycle de conférences continue dès demain matin. Il y aura 12 conférences pendant 3 journées. Alors, je vais vous donner le détail de ce programme. Alors, j'espère que je ne serai pas trop longue. Alors, demain matin, le cycle commence au musée. C'est fini pour le PIP, nous serons donc au musée de préhistoire. Alors, après l'accueil à 9h45 qui sera fait par notre président, à 10h, il y aura une conférence de Denis Taux, de Lascaux à Picasso. À 11h, Alain Lambrecht, entre croire et savoir, l'histoire de la préhistoire. L'après-midi, à 14h30, Patrick Payet nous parlera de Fond de Gaume, une grotte revisitée, Fond de Gaume d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'il y a... a travaillé à Fond de Gaume récemment, donc il nous fera état des découvertes récentes qu'il a faites. L'après-midi, à 15h30, Christophe Petit, l'homme a-t-il transformé son environnement dès la préhistoire ? Vous voyez que les sujets sont très variés et très différents. Lundi 15, à 9h45, Frédéric Plassard, autour des mammouths de la grotte de Rouffignac, image d'un géant bien discret. À 10h45, Laure Fontana, chasse aux rennes et mobilité des sociétés au paléolithique, de l'imaginaire aux données archéologiques. L'après-midi, à 14h30, Christophe Delage, 150 ans de débat autour du placard. À 15h30, Alain Bénard, les stèles mégalithiques de Tutophéla et le mégalithisme en Éthiopie. À 16h,
Aris Spiropoulos, l'art pariétal de plein air au Paléolithique en France. Et à 17h, il y a une visite découverte qui est programmée au musée, une visite guidée par une guide conférencière, Néandertal à la loupe, et c'est en lien avec l'exposition temporaire du musée, Moulage anthropologique, l'intérêt original des copies. Le fossile néandertalien de la collection Vandenmersch et Garalda. Mardi 16 août, il y aura une sortie à la grotte préhistorique de Villars et puis aussi la petite grotte de Rochereil, l'après-midi, avec Elena Payet. Et le mercredi 17 août, alors les conférences reprennent pour la journée. À 9h45, Estelle Bougard, analyser les pigments en art pariétal paléolithique, un petit point sur les méthodes actuelles. À 10h45, Pascal Raux, trois nouvelles Vénus en Périgord-Quercy. Et l'après-midi, Bruno Moreil, qui est Homo sapiens, découverte récente, réflexion et implication sur notre perception du monde. Voilà un sujet presque philosophique pour terminer ce cycle de 12 conférences. Voilà, donc c'est très riche, très varié, et j'espère que vous serez nombreux à venir écouter les conférenciers et que vous apprécierez ces conférences. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier Juan Marín Hernando pour cette conférence passionnante. J'imagine que le travail se poursuit et va apporter encore de nouvelles connaissances. Donc, vous êtes les bienvenus pour revenir nous voir dans quelques temps, en fait, si vous pouvez témoigner de l'avancée de vos recherches. Comme vous le savez, nous poursuivons donc le cycle Néandertal tout au long de l'automne et de l'hiver, puisque nous allons prolonger l'exposition Néandertal jusqu'au début du mois de mars prochain. Le prochain rendez-vous se fait dans le cadre d'un partenariat. C'est vraiment une manifestation un petit peu exceptionnelle qui aura lieu donc le 2 septembre dans le cadre d'un partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et avec le Musée National de Préhistoire. C'est une journée, une demi-journée et une soirée spéciale sur le site du Moustier, donc pas très loin d'ici. Ça commencera dans l'après-midi à 14h30 par une visite thématique de l'exposition Néandertal autour des rites symboliques. Puis après, nous continuerons effectivement au musée dans le cadre de la visite thématique également sur Néandertal. La deuxième partie de l'après-midi se déroulera sur le site du Moustier où nous irons à la rencontre de l'équipe de recherche qui sera sur le site et qui sera dans une campagne de fouilles. Ce sera l'occasion de visiter avec Brad Gravina, qui dirige les fouilles, le chantier de fouilles. Et nous organiserons à 18h30 un café archéo avec une partie de l'équipe de recherche pour discuter autour de la connaissance du site du Moustier. Si vous êtes dans les parages, si ça vous intéresse, ne tardez pas trop à réserver parce que le nombre de places est limité puisqu'on ne peut pas accueillir tout le monde sur le site. En fait. Voilà, ça c'est le 2 septembre. Et puis après, ça va continuer tout au long de l'automne avec un certain nombre de scientifiques d'envergure qui viendront nous parler des différentes facettes de notre connaissance de Néandertal. Jacques Joubert, William Banks, Emmanuel Discan, Jean-Philippe Febvre, Michel Laure Blanchet, Jean-Jacques Hublin, tous ces noms-là qui vous retrouverez au travers de la programmation des conférences du pôle entre le mois de septembre et le mois de mars, donc prochain. Voilà. Je voulais vous dire également que, pour ceux qui ne l'auraient pas encore pris, que nous sommes dans une journée un petit peu particulière, puisque nous fêtons la première année du passeport d'art rupestre, qui est un passeport qui relie un certain nombre de sites d'art rupestre qui font partie du réseau CARP, donc les chemins de l'art rupestre préhistorique, qui est un réseau européen.
Et en l'occurrence, dans cette journée, qui relie, le passeport relie un certain nombre de sites espagnols, portugais et français. C'est un passeport qui est gratuit et aujourd'hui, on vous le délivre à la sortie. Donc, si vous ne l'avez pas et si vous voulez en profiter, c'est gratuit et ça vous permet, si vous cumulez les visites dans ces différents sites, d'avoir des cadeaux, des réductions, etc. Pour, bien sûr, les sites qui sont payants, parce que vous savez que nous sommes gratuits. Donc, là, en termes de réduction, c'est plutôt facile à faire, quoi, en fait. Voilà. J'ai encore une prise de parole. Randall White et Yves Coppens, est-ce que vous envisagez à court terme un petit hommage dans le cadre de ces journées ou dans le cadre du pôle de préhistoire ? Alors, pour l'instant, c'est pas programmé, mais on pourra potentiellement l'envisager. En tout cas, c'est pas pour l'instant. J'ai pas de date à vous donner pour le moment, quoi, en fait. Voilà. Écoutez, encore un grand merci à Juan Marín Hernando, un grand merci à la SERP. Longue vie à l'association et je vous dis à très bientôt au pôle d'interprétation de la préhistoire. Bonne soirée.